se retrouve sur Black Ops 3 pour un nouveau épisode, bien sûr. C'est pas un épisode, excusez-moi. Ça va être ma dernière arme pour le diamant. Voilà, donc le diamant. Donc j'ai toutes les armes en or. J'ai tous les... Bon, les fusils d'assaut, bien sûr. Que les fusils d'assaut en or, j'ai pour le moment. Il me reste, bon, 43 sur 50. Donc on va aller les faire vite fait en MME. Vite fait, donc voilà. Et puis comme ça, vous verrez par vous-même comment on obtient, comment ça se passe pour obtenir ce diamant à la fin de la dernière arme. Voilà, qui me tarde de l'avoir parce que franchement, c'est des heures de jeu pour avoir les armes en diamant. Donc allez, on va vite fait aller en MME. MME, ouais, on va aller en MME. Je voulais aller en MLG général, mais bon. On va aller en MME. Et franchement. Ah putain, ça va être celle-ci. Je vais pas faire beaucoup d'élimination. On va mettre celle-ci. Non, on va vite fait. On va aller plutôt en MLG général. Allez hop. Bon, il me reste à peu près 7 éliminations. Donc 7 éliminations, c'est faisable. 7 éliminations, c'est faisable. Oh mince. Cette élimination c'est faisable. Ah non, c'est galère hein, pour trouver une partie. Ah ça c'est vrai que sur ce Call of Duty là, les serveurs sont... Voilà quoi. Et... Bon pour moi, des fois ça va bien marcher, les gens, les ennemis vont prendre bien les balles. Il y a des moments, vous allez tirer sur le mec, vous allez mettre le même quota de balles que vous avez mis avant, et ça va pas rentrer. Donc c'est vrai que des fois, par moment, la connexion du serveur, parce que moi, ma connexion internet est très bonne, en général, donc c'est vrai que le serveur de... On se plaignait d'Advanced Warfare et tout ça, mais on peut se plaindre aussi, excusez-moi, de ce Call of Duty-là, parce que c'est vrai qu'il y a des moments... Ça rentre pas quoi, ça rentre pas. De toute façon, je pense que c'est dans les en général, c'est tous les Call of Duty qui font ça. De toute façon, ça, faut pas le cacher que de toute façon, tous les Call of Duty font ça. Allez hop, c'est parti. On va aller faire les 7 éliminations. Donc, normalement, je gagne le diamant. Et c'est bien marqué qu'il y a une fois que les armes, les fusils d'assaut sont en or, on obtient. Le diamant, donc maintenant il me manque 7 éliminations. 7 éliminations, j'ai le diamant pour les fusils d'assaut. Ça, c'est super cool. Ah mince! Bon, cette arme elle est vraiment pas mal. Elle est pas mal. Je l'ai bon. Je dois avouer, je vais l'avoir en or, je vais l'avoir en diamant. Elle est pas mal. Si vous voulez, je vous ferai un épisode là-dessus pour parler d'elle. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de cadence. C'est tout. Sinon, voilà quoi. Donc j'espère que ça va pas trop camper parce qu'il faut que je fasse mes 7 éliminations. Donc là bien sûr je suis en live, je sais pas ce qui va tout m'arriver. Ah toi viens là toi. Petit campeur là. Bon c'est vrai que ça campe assez, bon. Ça campe par moment, ça campe, des fois ça campe pas, des fois on tombe sur des bons ennemis. Voilà, donc le problème de cette arme c'est que quand on va tirer. Vous avez vu, ça, l'arme va monter. C'est ça que j'aime pas sur cette arme. Elle est bien, mais quand tu touches l'ennemi, ça va. Mais il faut tirer avant. En fin de compte, c'est comme si qu'il faut pré-shooter. Bon, pour moi, après, c'est personnel. Hein. C'est personnel. Oh, je l'ai pas vu, lui. Ah, je suis à deux, putain, allez. Si 7 plus que 2 les gars et j'ai mon camouflage diamant sur les fusils d'assaut
Là, ça, je pense que je vais... Ouais, le diamant! Le diamant! Sur tous les fusils d'assaut! Ah, c'est super! Et ouais, comme j'ai pas eu la chance de l'avoir sur BO2, sur Black Ops 2, donc je l'ai sur BO3. Puis vous voyez, je vais même quitter la partie. Et franchement, voilà, le camouflage diamant enfin sur les fusils d'assaut. Donc voilà. Je vais quitter la on quitte la partie. Alors. Voilà la Shiva que je voulais en diamant. Oh, qu'elle est magnifique. Ah là 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 là. Magnifique. Vous voyez la Shiva en diamant. Qu'elle est il y a de l'or sur le côté et du diamant après. Donc je vais vite fait vous montrer vite fait les armes. Donc là la M8, voilà, en diamant. Voilà. Attendez, on va vite faire ça. La Shiba, la Man of War. Diamant. Voilà, comme elle est de diamant. Voilà. ICR1, qui est pas mal aussi. Qui est une arme vraiment pas mal. C'est une arme vraiment pas mal. Là. Elle est vraiment pas mal celle-ci, hein. Ouais, elle est vraiment pas mal. Elle m'intéresse. Jolie. Celle-ci, je vais me débloquer maintenant. Oh, elle est belle. Ah ouais, elle est belle. Elle est belle. Et l'avant-dernière. Ah, celle-ci, en diamant aussi. Elle est pas mal aussi en diamant. XR2. La K44. Qui est vraiment jolie aussi. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Un épisode, voilà, pour les fusils d'assaut. En diamant, et bien bientôt, bon, plus tard, je le ferai plus tard parce que c'est vraiment du. Faut vraiment du temps pour les. Pour, je trouve, pour, bon, pour ma part. Et c'est surtout parce que je peux pas trop jouer. Bon, c'est vrai que bon, je travaille donc à côté, je peux pas trop. Faut que je me mette des heures de côté pour jouer. Mais c'est vrai que c'est des heures de jeu quand même. C'est du temps pour mettre les armes en diamant. Je vous ferai ça sur les mitraillettes, mais plus tard. Je vous ferai ça plus tard. Je verrai, je vous ferai ça plus tard et puis on je vous remonterai pareil, je vous referai pareil. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Salut, c'était Sky24.